Hello tout le monde, c'est Abouna87 pour une nouvelle vidéo aujourd'hui, de nouveau. Ça faisait pas longtemps qu'on avait fait une vidéo multi-invocation sur Kamen Rider City Wars. On se retrouve pour la multi-invocation. Vu que ça faisait un moment que j'avais pas joué au jeu, j'ai pu en farmant, j'ai réussi à farmer énormément de gemmes, Du coup, on va faire. On va invoquer sur ce portail. Pourquoi je vous explique. Je vais vous expliquer ça tout de suite. Avant tout, n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Je sais que beaucoup d'entre vous regardent mes vidéos, mais ne sont pas abonnés. Donc voilà, n'hésitez pas à faire le petit abonnement et le petit like, ça me ferait extrêmement plaisir. Donc pourquoi ce portail m'intéresse? Tout simplement parce qu'il y a Force, il y a deux formes de Force. La plus intéressante ici à 3524%, hein, clairement, c'est celle que on va chercher, c'est le Cosmic States. Qui est excellente en plus avec un TRK, un triple rider kick, donc ça c'est extrêmement fort, extrêmement fort. J'aimerais bien vous montrer l'image, mais voilà, triple rider kick 1000%, ça fait extrêmement mal. Ability, bon voilà, il y a tout ça, mais vraiment pourquoi? Parce que c'est une carte que j'ai déjà un peu fait évoluer, enfin plutôt un rider que j'ai fait évoluer, et en plus il y a ici avec une autre. C'est pas un boost change, c'est juste un kick. Donc là, c'est Force avec deux Astro Switch à la fois Drill et Rocket. Donc il peut être intéressant à mettre. Sinon, à côté de ça, il y a un boost change de Kuga ici en dragon. Il y a un personnage que j'adore, j'adore franchement dans Kamen Rider Build, c'est Cross Z qui est enfin le. Comment dire, le personnage Ryuga Banjo, je l'adore. Donc le Kamen Rider Cross Z en Dragon Jelly, il est excellent. Donc attendez, c'est dommage que je puisse pas vous montrer un peu en image en plus grand. C'est bien dommage. Non, je vais pas vous montrer en plus grand. Bref, et c'est un autre boost change qui peut être intéressant à avoir. Donc 1 à 3295. Mais ah, puis il y a. Ah, il y en a deux! J'avais pas fait gaffe. Non, il y a le Kuga Dragon, il y en a un. Ah, il y a le Kuga normal, ok, c'était ça. Et le Cosmic States de Commande Force qui m'intéresse grandement. Donc voilà, on va faire au moins deux multi-invocations. Deux multi-invocations. En espérant choper du lourd. Hein. En espérant choper du lourd. On va faire au moins deux. En même temps, je peux pas en faire trois. Mais on va faire les deux, c'est ça que je voulais dire. Allez. Ok, donc ça me dit rien, symbole. Ah, mais on a une 5 étoiles. On a une 5 étoiles. On a une 5 étoiles. Oh, deux 5 étoiles. Excellent. Ok, ça c'est un personnage de Exit que j'apprécie pas trop, mais je saurais même plus vous dire son nom. Ok. Bon, c'est des nouvelles cartes, 4 étoiles, des kicks, très bien. Oula, ça ralentit. Yes! Au moins, j'ai la boost change de Kuga. Cool. Avec la musique qui va bien. Ça, c'est excellent. Oh! Dragon Jelly! Oh putain! Oh putain! Oh putain! Oh putain! Oh la multi! 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 Eh ben écoutez, moi je vais même pas faire plus. Franchement, là c'est excellent, excellent. Avoir celle-ci, enfin déjà c'est ouf. Avoir la Dragon Jelly. Oh putain! Avec la musique qui va bien de Kamen Rider Buldo. Bref, enfin voilà, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là, on va s'arrêter sur une bonne lancée. Je préfère garder mes gemmes pour une autre invocation. Dommage que j'ai pas eu Cosmic States de Force, mais bon, j'ai déjà eu trois cartes du portail. Celle-ci, deux boost change et un kick de Force. Ouais, moi ça me convient très bien. J'ai pas besoin de faire plus là. J'ai pas besoin de faire plus. Donc voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous avez eu du lourd, vous, de votre côté. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous avez eu. Oui, en tout cas, si vous jouez au jeu. Et n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Tchuss tout le monde!